Je vous propose un cake lardons chorizo. Donc pour le faire, il vous faut 50 g de chorizo, 75 g de lardons, 100 g de gruyère, 100 ml d'huile, 150 g de farine, 3 œufs, une cuillère à soupe de moutarde, 200 ml de crème, un sachet de levure chimique, 3 g de sel et du poivre. Vous pouvez rajouter aussi un peu de thym si vous aimez. On va commencer par faire revenir dans une poêle le chorizo et les lardons. Pendant que les lardons reviennent, nous allons mettre la farine dans un saladier et y incorporer un à un les œufs. Voilà. N'oubliez pas de mettre la levure avec la farine. Là, je vais incorporer les œufs avec la farine et la levure. Quand nous avons incorporé les œufs à la farine et à la levure, nous allons incorporer l'huile. Donc là, l'huile est bien incorporée à la pâte. Nous allons mettre la crème. Quand la crème est incorporée à la pâte, ça vous fait une pâte assez lisse et un peu liquide. Là, on va rajouter le sel, le poivre et la cuillère à soupe de moutarde. Et je vais mélanger. Là, votre pâte est prête. Elle est salée, poivrée et mise à cuillère de moutarde. Nous allons mettre le gruyère et les lardons et le chorizo revenus dans une poêle. Et nous allons le mettre à 3/4 dans le moule qui a été beurré et où j'ai mis un papier sulfurisé au fond. Donc là, ma pâte à cake est enfin prête. Je vais la verser dans mon moule à 3/4. Faites attention parce que ça gonfle un peu. Bien sûr, vous avez mis à préchauffer votre four à 180 degrés. Donc dans un four à 180 degrés pendant 50 minutes. Et voilà le cake chorizo lardon sorti du four et prêt à être mangé avec une petite salade. Je vais le démouler. Et voilà, bon appétit !